Salut les gars, putain on a Tigno là, c'est l'X-Game, on est vraiment chaud et on est tous ensemble, allez les gars, allez, on y croit les gars, chaud. Bientôt fini, ça s'est super bien passé pour nous, le pipe est plutôt pas mal. Et grosse dédicace à Dorian Bonicel qui est à l'hôpital et qui doit nous suivre, on t'envoie des good vibes, alors chaud, ça va bien se passer. Aïe chaud gamin, aïe chaud. Ça se voit pas comme ça mais trop stressé là. Je dors pas, je mange pas, j'ai le cœur qui bat, j'ai peur. C'est plus dur, j'ai trop peur des cailloux. Il faut absolument que le bonnet soit parallèle aux oreilles. L'autocollant est là, celui-là est là, paf, paf, un petit peu la mèche qui dépasse. Tout ça, c'est le style, tu vois. Je pense qu'on a une heure et demie d'entraînement et après, qualif. Le jour est plutôt blanc, les nuages sont plutôt consistants, donc les trainings et qualifications seront impertinentes. Dernier neuf, vraiment beau. Les pieds dans le dos, bouteille. Kevin est tendu comme une arbalète, mais c'est pas grave, il sait en général assez bien gérer la pression. Bon, chante, tu les mens. C'est bon. Commence à venir petit à petit. C'est pas grave. Allez. On s'emballe pas, c'est le premier round des qualifs. Donc fais-moi pas du énorme, ça sert à rien. Regarde bien celui-là, je vais gagner. Tous les petits détails, Zav, ok? La claque! Mets-y de la claque, Zav! Oui, il est bien!
Follow Us TV. Meow, meow. Yes, ma'am. Meow, meow. Kevin Roland qui prend la première place à Simon Dupont. Dégoûté, mais bon, on va soutenir Kevin. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je pensais que ça pouvait passer avec un run comme ça, mais il en fallait plus. J'étais plus fine pendant les entraînements, donc c'est la compète. Je vais bosser. Je vais tous les avoir. Ah, il est chaud. T'es là ? Ah, il est chaud. Il va falloir monter haut ce soir si je vais gagner. Parce que c'est pas gagné d'avance, il y a vraiment du niveau. Toute la famille est là. Et on le suit là depuis. Tu le suis de partout. Partout, même à l'ordinateur, partout. À 3h du matin, regardez les Isgains à Spen. Et voilà. Et je suis là et je pense continuer encore les prochaines années et qu'il finira toujours premier. Toto qui vient en finale, soirée pleine de péripéties. Ça allait pas bien l'entraînement. Et là on vient d'appeler parce que Mike Riddell s'est fait mal et Toto le remplace. Je vais pas être tout seul. Wouh ! Allez mon pote ! Ça fallait un peu par rapport à hier. C'est que du bonus, tu mets pas la pression Toto. Bah c'est juste énorme. C'est un peu stressant de savoir ça 10 minutes avant que ça commence. Mais on va faire avec, il y a 3 runs. Je vais faire de mon mieux et puis on verra bien. Ça le fait. N'aie pas peur de la hauteur à laquelle tu vas être. Juste tu gères les rotes en fonction de ça. D'accord ? Mets-leur tout de suite une putain de pression. Allez Kevin, allez, allez, allez. Il est bien. Ça se passe comme prévu, ça se passe comme prévu. Allez, venez là, putain. On y va, hein. Putain. Eh hey, Toto, t'es en confiance, hein. Mais bien sûr qu'il est confiant. Tu l'as, mon gars. Mets de la rote un peu quand même. Il pose son switch double, qu'on soit tous au maximum et qu'on voit vraiment qui c'est le meilleur. Je m'en fous, même s'il passe devant, faudrait que je me débrouille pour être meilleur. Il restera à la quatrième place. Tu as gagné, Mitch. C'est vraiment le meilleur et il nous l'a encore prouvé ce soir. Il a montré qu'il était le maître, c'est le plus fort, c'est l'homme à battre et c'est un dieu maintenant dans son sport. On va dire 4 médailles d'or en X en 2 ans. Après la tempête, le calme. Tellement éclaté. Oh, j'ai toute la pression qui retombe là. Bah ce soir, écoute, c'était vraiment dur parce que bah, tout le monde m'attendait.
Moi je savais que j'étais capable, mais je savais que aussi que le niveau était énorme. Simon Dumont aurait pu me battre, Justin Doré aurait pu me battre. Donc j'étais. Après mon premier run, j'étais assez confiant, mais il fallait que j'envoie encore. J'ai essayé de faire mon deuxième et mon troisième run un peu plus gros avec des nouveaux tricks. Ça l'a malheureusement pas fait, mais bon, je garde ça dans la tête. Et puis pour l'année prochaine, pour la fin de l'hiver, ça va bien se passer.